choses à dire sur le plateau, donc voilà, fait, on vous écoute. Hein. Voilà, j'aimerais dire, en fait, le 18 décembre 2006, à Charleville-Mézières, lors de sa campagne présidentielle, M. Nicolas Sarkozy a dit que s'il fut élu président de la République, il promettait que d'ici à 2 ans, plus aucune personne ne dormirait dehors sur un trottoir. Or, aujourd'hui, on est le 12 janvier 2010 et rien n'a changé. Des milliers de sans-abri sont morts de froid encore en France depuis son élection. Donc j'aimerais dire à tous ces politiciens qui ne tiennent jamais leurs promesses, et je pèse mes mots, ainsi qu'à tous ces riches égoïstes et à tous ces commerçants et restaurateurs qui jettent des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires à la poubelle, que vous êtes tous coupables de la mort de tous ces sans-abri en France et que vos mains, pour ma part, et j'ai bien raison, sont pleines de sang. D'accord. Parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses et ça fait déjà 3 ans qu'il est au pouvoir. Il a promis que d'ici à 2 ans, il n'y aurait plus de sans-abri dehors. Et il y en a encore aujourd'hui qui sont morts. D'accord, donc en fait par le biais de votre musique et voilà. Je dénonce des choses qui me tiennent à cœur parce que j'ai vécu cette vie de sans-abri. Et quand on est dehors à moins 5. Et là les températures elles sont allées au-delà de moins 5. Là, ouais, elles sont montées même jusqu'à moins 20 à Bretigny-sur-Orge. Donc pour moi c'est grave. Et il a promis donc qu'il tienne sa promesse ou sinon qu'il démissionne du pouvoir, tout simplement. Ok, très bien.